Say, what the hell is your name anyway? Crook. 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 Ram. Et salut tout le monde, c'est Nagarog et nous voici donc pour notre troisième épisode de la série de construction et donc sur le magasin de pastèques, toujours. Et comme je vous l'avais dit à la fin du deuxième épisode, quand on met la glowstone sous les escaliers, ça donne ça, il y a un effet de lumière. Hein, ici, là. Ça fait des petits faisceaux lumineux, c'est sympathique, hein. De loin, dans le noir, tout ça, ça donne un petit côté, je sais pas, ça fait beau. J'aime bien, moi. Hein, il est beau notre bâtiment, quand même, moi. On a bien fait ça. Bref, comme vous voyez dans ma petite manette, là, j'ai de la redstone. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode de la construction du système. Notre système pour récolter automatiquement nos pastèques. Donc bon, là, il n'y a rien, mais on va le faire là-dedans, jusque-là. Donc je vous emmène sur le serveur où il y a la création du système, pour vous l'expliquer un petit peu quand même. On se retrouve là-bas, allez. Nous y voilà. Donc là, on est à l'intérieur. Qu'est-ce pas à l'intérieur? On est devant l'entrée. Ou plutôt la sortie des pastèques. Donc là, notre pastèque. Là, ça sera... C'est l'endroit, en fait, où ça va pousser. C'est le champ de pastèques. Un petit champ de 4 pastèques. Et ça, c'est le système en lui-même. Alors, en fait, le système, c'est que... Les pastèques poussent quasiment au même rythme que les cactus. Va tendre là, toi. Donc, le cactus, quand il va pousser, va activer un bud switch qu'il y a là, en bleu. Un bud switch, à impulsion. Ce qui fait quand, voilà, hop, vous l'avez vu. Ça a poussé. Comme il y a un bloc à côté, le cactus s'est cassé. Ça a envoyé une impulsion. Ça a activé le bud switch. Mais le bud, en s'activant, est sorti et est rentré à nouveau. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, c'est une impulsion. Un changement d'état. Une impulsion. Ça, c'est ce qui est en bleu. Ensuite, alors le orange qu'il y a là, c'est la mémoire. Parce que, en fait, ce que je voulais, comme je vous l'ai dit, c'est que quand les pastèques sont prêtes, là, on veut que ça gnignote. Donc là, le système s'est activé. Ça gnignote. On veut que ça reste en mémoire. Non, c'est ça. C'est la mémoire pour dire que c'est bon. C'est rentré dans la mémoire, on s'en rappelle. C'est con en même temps, c'est une mémoire. Bref. Donc c'est le système qui est en violet ici. Voilà. Bon, le système, enfin, la laine noire, c'est juste pour activer et pour reset la mémoire. C'est pour activer les pistons. Et pour reset la mémoire pour plus que ça gnignote. Pour dire, c'est bon, ok, on a vu, on a récolté nos pastèques, on remet à zéro le système. Je vais remettre tes pastèques, elles sont mes pastèques. Petite explication encore vite fait. Ouais, ça pousse vite. Donc là, le système y est éteint. En théorie, lui a poussé en même temps que nos pastèques là-haut. On l'active. L'impulsion a été envoyée. Le système nous dit, ok, c'est bon. Tu peux y aller, tu peux récolter, tu peux appuyer sur le bouton. Il y a de la pastèque. Bah nous, ok, ça tombe bien, j'en avais besoin. Pouc. Et voilà, toute notre pastèque. Alors pourquoi on a mis... On va récolter celui-là aussi, hein. Pas de gâchis. Merde. Alors pourquoi on a mis une mémoire? C'est que si jamais on est parti tailler du méchant, là, ça dit, ok, c'est bon. Il y a de la pastèque, tu peux y aller. Mais nous, on n'est pas là, puisqu'on est parti casser du méchant. Miner, faire ce qu'on veut. Ce qui fait que si jamais le cactus repousse et se remet à jour, le bud, ben on le sait déjà de toute façon, puisque c'est déjà allumé. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la mémoire orange ici. Le truc là, tout ça. Et donc nous, ben on n'a plus qu'à récolter encore une fois. Ouais, plein de pastèques. Alors pourquoi j'en ai pas mis beaucoup? Parce que niveau bouffe, c'est pas exceptionnel, hein. Ça restaure pas beaucoup, même si on en a plein. Ça varie entre
Enfin, moi, j'arrive à en avoir entre. Ouais, souvent c'est 4, 5. J'ai pas énormément de bol. Mais déjà, 4 ou 5 par 4 pastèques, ça en fait une vingtaine. Ça a déjà poussé, là. Faut déjà les bouffer. Et puis, si on a. Ça se récolte assez rapidement, c'est pareil. On n'utilise pas tout d'un coup. Et puis, comme on s'en sert souvent pour la potion, 4, c'est suffisant, hein. Vous voyez, de toute façon, il y en a déjà un qui a poussé. Le système il va se réactiver d'ici pas longtemps puisque ça pousse à la même vitesse. Là il y en a déjà un. Ça on l'a coupé un peu plus tôt donc ça sera pas activé en même temps, mais bon, c'est pas grave. Alors il y a quelques endroits du système qui ressemblent à des trucs que vous connaissez peut-être. Parce que j'ai. Le système en fait, celui-là, pour clignoter, j'aime bien le dire, ça sert à rien. Ça c'est à force d'être avec ma nièce. Donc le système pour clignoter qui est ici, en violet. C'est une idée de. C'est Mind the Cube. Qui fait aussi des systèmes bien sympathiques, même si en ce moment il est pas très actif, je ne sais pas pourquoi, comme il fait pas de live commentary, on ne sait pas. Il a peut-être des examens. En tout cas, merci bien pour tes vidéos, parce que ça me sert vachement, la preuve, hein. Ton système pour clignoter est là. Après, tout le reste, c'est assez simple, hein. Alors pourquoi de la glace ici? Vous allez me dire pourquoi de la glace? Oui, pourquoi de la glace? Ouais, vous avez bien fait de poser cette question. Alors, je vais prendre de la glace, de l'eau, puis n'importe quoi comme objet. Hop. Alors, pourquoi de la glace? Voilà, c'est magnifique. Alors sur celui-là, c'est sans glace. C'est normal, quoi. Tout con. Ouais, c'est un peu long quand même, hein, je trouve. Je mets sur l'autre. Merde, je l'ai visé à côté. Voilà, ça se déplace un peu plus vite. Ben, c'est juste pour ça. Pour la vitesse de déplacement, quand on met de l'eau sur de la glace, ça va plus vite pour se déplacer. Et puis comme on n'a pas de temps à perdre, eh ben j'ai préféré mettre de la glace en dessous. Pour justement que ça aille plus vite. C'est tout. C'est juste ça. Oh, si on peut pas en récupérer en survival, comme il n'y a pas beaucoup, hein, il n'y en a que 4 blocs. Bon, vous mettez n'importe quoi, ça sera un peu plus long à venir, mais bon, ce sera pareil. Donc maintenant j'espère que vous avez compris le système. On va essayer de le reproduire. Parce qu'on n'a pas la même place, on n'est pas autant long. Pas aussi espacé, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Allez, on retourne à la maison. Et nous voilà. Alors on y retourne, hein. On va directement construire. Où est-ce que. Je vais peut-être mettre le bud ici. Ouais, je vais mettre un peu plus de lumière. Ouais, je suis parti sans sauvegarder. J'en avais mis avant en fait, et j'ai oublié de sauvegarder. C'est plus pour vous que pour moi parce que j'ai un rayon de soleil qui tape derrière et je vois pas trop 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 malgré qu'il y ait plein de glowstone au-dessus, pardon. Je bafouille un peu. Je commence à être fatigué là, avec tous les trucs que j'ai fait, les tests avant. Bref. Si je le mets là. Ouais, il devrait y avoir assez de place. Donc on met notre cactus ici. Ah ouais, mais là ça va peut-être gêner. Oh non, ça va pas gêner là. Non, ça devrait aller. Ouais. Ah, je dis ça, c'est parce que je dois mettre après les éclairages, hein, sur la partie basse. Donc, alors, notre bud. Ça, c'est simple, hein. Oups, ça, c'est pas à mettre là. C'est bon, ouais, tout est mis. Alors, ça, là. Non, celui-là, c'est là. Un repeater là. Un repeater là. Et une torche. Alors moi je le mets sur 2. On peut mettre sur 1, c'est en fonction. Hein. Moi je préfère mettre sur 2. J'ai peur qu'il y ait un bug entre les deux si je mets un temps trop court. Donc on va essayer. Nickel. Moi ça n'a pas fait, je suis peut-être allé un peu vite. Donc en fait, c'est lorsque ça va activer notre bud. On l'a pas vu. Voilà. Encore. Quand ça va activer notre bud, ça va passer là-dessus, envoyer du courant dans ce bloc-là qui va être inversé
et qui va désalimenter celui-là, d'où l'impulsion. C'est un petit truc. Bon, c'est un peu. Je suis pas très très bon en bud. J'ai regardé beaucoup de buds différents pour savoir lequel j'allais utiliser parce que je savais pas trop comment faire. J'ai pas beaucoup l'habitude de ce système-là, de ça là. Alors bon, en gros, il faut ralimenter un bloc, pardon, un bloc ici au-dessus pour pouvoir buder le vérin, le piston. Bah, allez voir le tuto de Hypierre. C'est grâce à lui en fait que j'ai vu tous ces buds. Ça m'a bien servi. Hein, je mettrai à la fin ou dans la description, je mettrai tous les liens pour le système que j'ai fait. Alors. Ça l'enlève. Donc bah là le bud est fait. On va faire la mémoire. Alors c'est comme ça. Voilà. Il faut mettre. Là, faut surtout pas l'oublier. Comme il dit et Pierre, faut surtout pas l'oublier, sinon ça marchera pas. La poudre ici. J'espère que j'aurai la place d'aller là. Ou alors on inversera, on verra bien. Mais... Ça va être chaud, 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 chaud. Où on mettra là dans le sens là, j'irai bien. Là. Ouais, c'est bon. Bah ça c'est fait. Voilà, la mémoire est faite. Je vais voir si ça fonctionne. Voilà, tester tout de suite. Hein. Pardon. Merde, non, pas celui-là. Donc. C'est activé. Et c'est éteint. Ouais, c'est bon. Et ensuite, on va faire le truc qui clignote. On va le mettre en bleu. Voilà, en bleu. Alors, attendez, parce que je l'ai mis à côté aussi. J'ai le modèle à côté, il faut pas que je me plante. Hein, je vais pas vous faire voir des trucs qui servent à rien, ça serait dommage. Donc, alors, il faut une torche là pour inverser. Non, c'est du bleu. Ça là. Ça sera pour récupérer le système de notre bouton. Donc, à mon avis, je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. C'est mal barré en tout cas. Je crois que j'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens. On verra pas. On verra. Si ça marche. Si j'ai pas la place, je coupe. Je fais ça en off et comme la dernière fois. Donc, bref. Ensuite. Là. Et je crois qu'après, il faut mettre ça là. Non, ça c'est pas tout de suite, c'est pour le bouton. Là, il faut ah oui, il faut mettre là. Là, il faut mettre un répéteur à 4. Une torche ici. Et j'ai oublié quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. La poudre ici, elle est mise. Ah bah c'est normal, ça n'a pas été activé. Ça clignote, c'est bon. Donc ça, après, quand j'aurai un peu plus de... Quand j'aurai tout fini, ça, faut que j'arrive à le foutre là. Là ou là. Je ne sais plus où est-ce qu'on avait dit. Ouais, là. Dans le bois, faut que j'arrive à le mettre là, dans le bois. Pour que ça clignote. Et le bouton, faudra que j'arrive à le faire aller là. Ouh là là, ça va être dur. Ça va être dur, dur, dur. Bon, on va y arriver. Fort et fier. Alors... Allez, qu'est-ce que vous voulez comme couleur? Vert? Vert. Allez, c'est parce que vous aimez bien. Donc maintenant, on s'attaque à notre bouton. Louloulou. Ouais, on va faire comme ça, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Ah, bah, vous voyez, là, le cactus a poussé. Donc là, forcément, ça va clignoter. Tout le temps. Qu'est-ce que je peux enlever? Ça, je peux enlever. On va dire. Bon, c'est bon, on sait. Voilà, bah, le système il fonctionne, vous avez vu. C'est tout con pour le bouton. Sauf que nous, après, on va devoir mettre au-dessus notre plateforme pour notre plateforme pour faire grandir, pour faire pousser la pastèque. Hein. Oh, je merdouille, je suis fatigué, excusez-moi, là, je. Ça commence à être dur la fin. Donc, bon. En haut, comme c'est tout simple, on va le faire vraiment à la fin. Et on va essayer de faire en sorte de récupérer le bouton qu'il y a là. Moi, j'aime bien mettre des blocs de laine rouges pour mes boutons. Alors, je vais mettre un bloc de laine rouge. Si ça vous plaît pas, c'est le même prix.
Là par contre c'est du vert. Là, pour pas se tromper, pour pouvoir trouver. Ouh, là ça va être dur. Ouais, là ça va être chaud, chaud, chaud. Là, il faudra inverser. Là, c'est là que ça commence à être galère. Parce qu'autant l'autre, j'ai étouffé le système, vous l'avez vu tout à l'heure, mais là, il faut que j'arrive à faire en sorte que ça rentre. Sachant que j'ai pas beaucoup de place et que malgré tout, il faut que j'arrive à. Ouh. Ouais, c'est chaud là, chaud là. Chaud, 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 chaud. Alors, c'est en bleu. Le truc est là. Si on met ça là. Non, ça marchera pas. Si je fais ça comme ça. Hein? On va voir. On va l'activer. Ça clignote, c'est bon. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop d'intérêt. Ouais, ça devrait aller. Ensuite, bah ça on pourrait le faire passer par au-dessus, là, dans la rainure. Pas dans la. Ouais, si dans la rainure on peut peut-être, ouais. Pour le bouton. Je sais pas comment je vais faire, mais. Ah bah non, on va faire passer. Ah ouais, mais il y a le truc qui est là. Bon, on va essayer. Faut pas que je fasse d'interférence avec ça, donc on va plutôt aller de ce côté-là. Donc, bon, non, ça va aller. Ah ouais, non. Ça va activer le bazar au-dessus. Ça va activer nos trappes. On peut pas le mettre là. Ça va faire con, ça va faire. Non, ça va faire nul. Oh là là, quel casse-pied ce truc là. On peut mettre trois plombes quand même. Ah non, si je le mets là, ça va faire interférence avec ça. Pouh. Et si je le fous en sous-sol? Ah, ça fait interférence avec ça. Faut que je le mette là. Est-ce que ça. Merde. Est-ce que ça chope? Ouais, ça chope le signal, c'est bon. C'est bon. C'est bon, Frankie. C'est bon. Faut que j'arrive à faire revenir avec ça là. Bah, je vais faire un ascenseur ou un redstone peut-être. Bon, de toute façon, j'ai la place là, mais faut que j'arrive à mettre ma goulotte là. Ouais, faut que je fasse un ascenseur ici. Oh la misère, la misère. Voilà, là ça l'a définitivement coupé. D'ailleurs, ça on va le calmer. Il faut que j'arrive à le faire aller là. Ok. Ah, je vous avais dit, il va falloir qu'on casse, hein. On n'a pas trop le choix, là. Ah, puis en plus, faut que je foute un inverseur. Voilà, ça c'est bon. Et là, on va foutre un bazar. Donc, on va récupérer notre cactus. Un bleu, j'en ai plus besoin de bleu. Ouais, j'en ai plus besoin de bleu. Bon, donc ça c'est bon. Pas d'interférence. Ah merde! Je veux qu'il reste allumé, éteint, moi je veux qu'il reste allumé, fiche, zut. Pourquoi? Ah oh là 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 là. Je fais ça. Ouais. Oh la galère. Est-ce que je vais y arriver? Ça sert bon, donc là, ça clignote. Ok. Ouais, ça clignote. Ouais, c'est bon, je veux. Donc ça sera bon. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va construire notre bazar là-haut. Donc il me faut de la glace. Il me faut la pastèque, c'est pour la démo. Il me faut le bloc vert, c'est pour oui. Les pistons pour casser notre pastèque. La poudre. L'eau. L'eau, après l'eau et la terre. Voilà. Je vais me marrer. Moi, je veux. On va faire tout le long comme ça, on verra bien ce
que ça donne. Là, je risque rien, donc on va mettre... Voilà. Ah ouais. Ah, la glace de merde. Parce que si je mets un bloc de glowstone là-dedans... Oh, je glisse. Si je mets un bloc de glowstone... Bah, la preuve. Ça va faire fondre la neige. La glace. Ah, zut. Ah, ouais. Oui, je sais. Bon. Il faudrait que ça soit juste sur... Ça neige à zou. Il faudrait que ça tombe là. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Faut que ça tombe à cet endroit-là. Là, c'est le bouton pour activer. Ok. On va construire notre plateforme. On va la mettre... Où on va la mettre? Ouais, c'est la partie un peu longue, hein, du... de l'épisode, savoir comment on va le faire. Hein, on va faire ça là. Faut que ça tombe là, la rainure. Donc la rainure d'eau, elle sera là. Et donc si la rainure est là... C'est une rainure de 4, ça c'est bon. Il faut que... Alors notre terre sera là. Ça, je peux le virer. La terre. Ouais, on pourra pas mettre de glace. Ça va la faire fondre, c'est dommage. Donc bon, ça sera un peu plus lent. Tant pis. Merde, j'ai même mis un peu loin là. Ah ouais, j'avais mis. Ouais, c'est bien ce que je disais, ouais, je l'ai mis un peu loin. Merde. Là, voilà. Ok. Celui-là, on l'enlève. Pour être sûr que ça parte pas ailleurs, on va faire une colonne en vert. Voilà, on va faire ça comme ça. Une colonne en vert. C'est pour dire que ça soit, hein, qu'on soit sûr que ça aille vraiment là où on veut. Au cas où, normalement, c'est obligé, ça va là, mais au cas où. Un de plus parce qu'on ne sait jamais, et puis ben comme ça on peut foutre l'eau là. On va mettre ouh là, ça va faire ouh, il y a beaucoup de blocs. Ah non, il va falloir que je fasse plus long parce que l'eau sinon elle va déborder. Oh là 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 là, ben, je l'avais dit, hein, c'est vraiment fait ça. J'ai cassé. Oh, j'ai cassé. Je vous avais dit, on fait vraiment ça sur le vif, hein. On sait pas trop comment ça va tourner. Mais bon, c'est parce que c'est de la redstone, et puis j'ai pas trop pris le coup de voir comment j'allais réaliser ça. J'avais fait un premier essai avant. Sur le. Voilà. Nickel. C'est juste ce qu'il me fallait. Voilà. On va couvrir, hein. De toute façon. C'est bon? Ouais. Ok, c'est bon, t'inquiète. Alors ensuite, donc ça c'est bon, on va fermer là. Comme ça l'eau va aller là. Ah non, merde! Ah, le con! Ah, c'est chiant. Génial! Voilà, on va virer l'eau maintenant. Ça suffit les conneries. On en met de la pierre. Pourquoi ça sort là? Ah ouais.
Voilà. Eh ben, oh. Ah oui. Ah oui. J'ai oublié de mettre un truc ici. Ouais, vous voyez, je commence à avoir un peu du mal. Voilà. Là, on va bloquer le flux et l'eau, les objets, ben, vont tomber directement, quoi. Allez, vas-y, tombe. Voilà. Et quand ils seront en bas, ils vont descendre tout seuls, plus vite. Parce qu'on a mis la glace en bas, on a pu la mettre. Alors, quand on n'avait pas pu. Là, il y avait l'inverseur, on avait dit. Voilà. Là, ça fond pas. Ça fond nulle part. Ouais, ça va être chaud quand même. On va trouver une astuce. On va trouver une astuce. On s'en fait pas. Bah, je suis en train de réfléchir en même temps, c'est pour ça que je fais des allées-venues. Bon, faut vraiment qu'on finisse ce truc quand même. Hein. Allez, faut pas que ça traîne quand même trois plombes. Steak, nickel. Allez hop. Bon, évidemment, le plus compliqué, si on est en survival, ça sera de trouver les graines de pastèque. Parce que nous, on n'a pas du tout sur Xbox. Hein, faut trouver ça dans un coffre. C'est la misère. Alors, donc on avait dit faire pour ça, 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 ça et ça. Non, c'était un devant, j'avais raison au début. Voilà. Ouh là, oh ça va. Ouh, ça va être chiant. Ouh que oui. Ah là 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 là. Quelle galère. Non, ça va mettre un peu plus grand. Ça je crois que j'ai pas le choix de toute façon. Voilà, on va essayer de récupérer ce foutu signal. Comment je vais le récupérer? J'en ai marre. Là, je galère, là. Là, c'est dur. Voilà, nickel. Je fatigue vraiment. On rallie tous nos pistons. En théorie, il ne devrait pas y avoir de soucis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Normalement, ça devrait aller. On va faire un test. Hein. Voilà, tout est activé, c'est bon. Avec nos blocs de fer, on va fermer ça. Là, j'ai pas trop choix. Hop là, trop loin. Non, ça poussera peut-être pas, je suis pas sûr. On va pas mettre. On va pas faire de bêtises. Ça, je sais que ça risque rien là. Voilà, on va mettre de la lumière. Et on va mettre quelques pastèques, voir si ça a bien fonctionné. Alors bon, en plus c'est génial, ça clignote. Bon, il a l'air que ça a fonctionné, notre premier test, sans le savoir. Alors. Ok, ça s'est éteint. Oh voilà. Eh. Nickel. On a réussi, au bout de 30 minutes.
Hein? Voilà, on a fini notre marchand de pastèques. Alors, dernier truc que je voulais faire absolument parce que. Ouais. Parce que, ouais, de toute façon. Alors, est-ce que je mets une porte en bois, sachant que je vais mettre des villageois dans notre cité? Eux, ils vont s'amuser à ouvrir mes portes en bois. Alors, je vais mettre une porte en bois et je vais fermer la derrière. Où est-ce que je mets une porte en fer? Parce que bon, porte en fer, non, ça me plaît pas la porte en fer. Donc on va la condamner derrière. Hein. On va mettre du bois de chêne, tout con. Voilà, comme ça fait style et c'est une porte. Et puis il n'y a rien derrière de toute façon. On peut pas rentrer. Voilà, ça fera un peu de lumière. Ah non, on voit. Je veux pas qu'on voit ce qu'il y a derrière. Voilà. Ben pour les finitions là, je vais voir ça de moi-même pour pas trop parce que ça fait quand même 32, ouais, 32 minutes qu'on est ensemble. Enfin, que j'ai commencé la vidéo, ça va faire long si je vous montre tout d'un coup. Ce qui est bien déjà là, c'est que ça fonctionne. Là, c'est bon, ouais. Voilà, on a fini notre marchand de pastèques. Le dernier épisode fut long et laborieux. Mais on a réussi. Ouais, moi je suis bien content de ce que j'ai fait. Je trouve que ça fait très très beau et j'ai bien fait de choisir cette forme de toit. Ça me plaît. Ouais. Je suis bien content. Ça pète. Ça marche? Bon, il y a quelques paires de temps en temps hein, quand on casse. Ça explose un peu. Alors, si vous arrivez à le refaire avec moins de pertes, il n'y a pas de souci, vous me le dites et je le modifierai en temps normal. Et ça devrait aller. Voilà, on va le mettre tout de suite. Donc voilà, c'est pas trop trop mal. Peut-être ça, je vais devoir le changer. Hein, comme je vous avais dit, si je mets... Si je mets de la glowstone en bas comme je voulais le faire au début, ça va falloir que je change. Voilà. C'est fini. On a fini notre marchand de pastèques. Si jamais je fais des trucs en plus, je ferai un petit bonus à cet épisode. Comme ça, bah, ça restera dans le sujet du marchand de pastèques. Hein? On verra bien. Allez, ben moi je vais vous laisser sur cette magnifique vue de notre marchand de pastèques et notre beau mouton qui surveille le marchand. Allez, tu sens qu'il y a de la bouffe, hein, hein, tu le sens. Et ben, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao! Say, what the hell is your name anyway? Crook. 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 Ram.